amé ci bitim rew la nak duñ ko gëna bëna joyanti association bi nga xamanteni mo am bu napkat yi nek Sénégal xam la ko seen ñoon su ko défé la kon ñu mëna respecter dañ koy jox étranger yi té ay bisaw Guinée war ko jëfëndiko ñu jël manam ay licence étrangère dañu bëgg yéggal napkat yi nga xamne ñuy fekk bax bitim rew di napé ci waxu Guinée Bissau né amna dogal yu bëss yi nga xamne jël nañ ko légui dootu ñu nangu ben gal bi nga xamne da fay ñu nap bir Guinée Bissau té yor licence nationale légui nak licence étrangère lañ lay jox ba taxna licence bobé képp ku nga xamne yoro ko té ngay napé ci bir waxu Guinée Bissau ay daan mënu la ci fekk motax waxtaan nañ ak association bi bu tonk lolé bëpp alku mandano no bi son venu quand même pour parler avec les responsables des pêcheurs qui comprennent le message que nous avons apporté. Nous savons que les pêcheurs sénégalais souffrent beaucoup en Guinée-Bissau. Il faut qu'il y ait une collaboration adéquate pour aider les pêcheurs étrangers à bien travailler en Guinée-Bissau. C'est ça qui nous a amené ici. Premièrement, les Guinéens vont arrêter d'abuser des droits sénégalais. En 2022, il y a seulement 9 licences étrangères qu'on a enregistrées. Tout le reste sont des licences nationales. Vous demandez aux étrangers d'arrêter cette pratique qu'ils font, la fraude qu'ils font. On a saisi presque 150 licences de fausses pratiques. Si on imagine le nombre de pirogues qui quittent le Sénégal et le nombre de pirogues qui quittent la Guinée-Conakry, donc il y a plus de presque 400. La Guinée paye plus de 500 millions ou 600 millions. Nous, on est venus seulement pour informer les pêcheurs étrangers d'arrêter cette pratique et de passer à la norme pour pouvoir avoir une licence. Donc l'association est là comme un genre d'intermédiaire entre l'État sénégalais et l'État guinéen et les pêcheurs sénégalais. C'est ça qui nous a amené pour sensibiliser les pêcheurs, pour leur orienter et savoir dans quel pays ils vont. Le Sénégal et la Guinée-Bissau, nous sommes tous des frères. Si nous mettons au fond de l'autorité, nous sommes des frères. 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 La Guinée-Bissau pratique des choses que nous avons pas. Il faut quand tu fais ta pilote, soit on t'enferme, on te fait payer beaucoup d'argent pour rien. Et on veut que cela cesse. Une collaboration vient d'être signée entre une association guinéenne et une autre sénégalaise pour venir à bout des difficultés que rencontrent les Sénégalais sur les côtes bissau-guinéennes. Il est très content de la réception et aussi ils ont compris ce que nous, le message qu'on est venu lancer. La situation que les pêcheurs rencontrent en Guinée-Bissau est très difficile. Donc ils ne sont pas orientés, ils viennent à Bissau désorganisés, donc ils vont pêle-mêle en Guinée-Bissau pour acheter des licences, ils ne savent pas par où il faut passer, des fois ils passent autrement, donc il n'y a personne qui peut les orienter à avoir une bonne licence. Au bout d'un an de songes et de réflexions, ces pêcheurs du Sénégal ont enfin trouvé pertinentes les propositions de l'association guinéenne. Vraiment, nous nous sommes concertés avec l'association, le collège en tout cas des pirogues glaciaires du CLPA de Mbour. Ils l'ont fait vraiment exposer, parler, évoquer de l'association, l'objectif, l'expérience et tout cela. Et vraiment, la partie sénégalaise a adhéré vraiment à ces propositions. Simplement, nous trouvons ces propositions pertinentes. Vous savez que il y a pas mal de temps, nos frères sénégalais, nos frères en tout cas pêcheurs qui opèrent sous les eaux bissau-guinéennes rencontrent des difficultés après l'obtention de licence. Souvent, ils sont arraisonnés, des amendes qui sont injustifiées. Les Sénégalais qui rencontraient d'énormes difficultés liées aux licences de pêche vont enfin bénéficier d'une aide venant de leurs frères bissau-guinéens.